Gloire à Cytis. Allons voir Nazir. Putain, il a pas bougé ce con, il est resté là-bas. Ça sert à rien de rester pendant des siècles devant le cadavre d'Astrid, hein. Ça ne changera rien. Je dois admettre que j'ai du mal à me résigner. Par Cytis, quelle pagaille. Je crois que c'est la fin. Pas exactement. La mère de la nuit m'a de nouveau parlé. Quoi? Eh bien, que vous a-t-elle dit? Je dois de nouveau parler à Amond Mautière. Amond Mautière? Mais cela voudrait dire... Le contrat est toujours d'actualité. Le vrai empereur doit être assassiné. Vous voulez dire qu'il y a encore une chance? Mais comment? Notre plan a échoué, tout le monde est mort. La famille... Notre famille est toujours vivante, Nazir. Il faut me faire confiance. Très bien. Allez, mon oreille noire. Faites parler cette vermine de Mautière, puis envoyez l'empereur à Cytis. Ah, mais lorsque vous en aurez terminé, vous n'aurez aucune raison de revenir ici. Je me disais que nous pourrions nous établir au sanctuaire d'Aubétoile. Écoutez, lorsque vous en aurez fini avec l'empereur, retrouvez-nous là-bas, Babette et moi. Je m'arrangerai pour y emmener la mère de la nuit. Ne vous inquiétez pas. Allez! Et revenez avec un tonneau rempli d'or, d'accord? Babette, mon enfant, faites vos bagages. Nous partons. J'espérais que vous diriez ça. Elle est à 3 km. Bon. Donc nous allons nous occuper de cet assassinat. Il faut savoir que je n'irai pas, je ne mettrai pas les pieds dans le sanctuaire d'Aubétoile. Du moins pas au cours de cette session. Une fois le contrat rempli et l'argent récupéré, nous pourrons donc dire adieu à Bulgruf jusqu'à ce que j'en ai terminé avec l'élaboration du mod. Enfin, tout ce qui me reste à faire, c'est les doublages avec Bob Lennon. En dehors de ça, le mod est, pour ainsi dire, terminé, hein. Donc une fois que les doublages avec Bob Lennon seront faits, j'aurai juste à les intégrer au jeu. Et ce sera très rapide après. Ce sera fait assez rapidement. Bon, il y a également le doublage avec Sianna qu'on doit également faire. Mais ça devrait se faire aussi assez rapidement, vu qu'il reste pas grand chose à faire avec Bob Lennon de toute façon. Et en dehors de ça, qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, Bulgruf, bon, si jamais ça me prend trop de temps de faire le mod et que j'ai pas le temps de tout terminer avant juillet, parce que y a pas mal de boulot quand même, je ferai peut-être quand même quelques vidéos avec Bulgruf, mais annexes, qui n'ont rien à voir avec une guilde ou autre. Il y a pas mal de quêtes annexes à faire, je pense qu'on peut trouver 2-3 trucs pour s'occuper. Donc en route pour la jument pavoisée. Et on va aller voir cet enfoiré d'Amond Mautière. Nous avons une affaire en suspens avec ce petit monsieur. Entrez. Dites-moi ce que vous voulez, ou asseyez-vous près du feu et je vous enverrai quelqu'un. C'est ça, c'est ça. Allez. On y va. Attends, excusez-moi. Allez. Qu'y a-t-il? J'ai dit que je ne voulais pas être dérangé. Nous avons une affaire en suspens, Mautière. Par les dieux, vous êtes en vie. Mais j'ai entendu dire que votre sanctuaire... Pitié, n'allez pas croire que je suis derrière tout ça. Je voulais que l'empereur, le vrai, meure. Et c'est ce que je veux encore. C'est Maro le coupable. Il... L'empereur, le vrai, où est-il? Vous voulez dire que malgré tout ce qui s'est passé, la confrérie noire va quand même honorer le contrat? Ça, c'est une surprise et une bonne. L'empereur se trouve encore à bord de ciel, mais plus pour longtemps. Il a embarqué à bord de son bateau, le Cataria, qui mouille dans l'estuaire de Solitude. Il faut vous hâter. Si vous réussissez à monter à bord de ce bateau, tuez Titus Ney des deux comme prévu. Je vous dirai où vous pourrez récupérer votre dieu. Ce navire, le Cataria, quand pourrais-je monter à bord? Eh bien, je n'en sais rien. Il se trouve dans l'estuaire de Solitude, juste au nord des quais. Je suppose que vous allez devoir vous rendre au quai et nager
À quel genre de sécurité dois-je m'attendre ? Vous plaisantez, non ? C'est l'empereur en personne, pas un sosie. Je suis sûr qu'il sera entouré par des gardes du corps d'élite. Vous aurez du pain sur la planche. Toujours est-il qu'il croit la confrérie noire complètement éradiquée. Ils relâcheront peut-être leur garde. Le commandant Maro, où est-il ? Ah oui, j'imagine que vous voulez régler cette dette. La dernière fois que j'en ai entendu parler, il se trouvait sur les quais de Solitude, à organiser le départ de l'empereur. Bien. Je vous en prie, faites vite. Le bateau de l'empereur ne va pas rester amarré indéfiniment. Une telle opportunité ne se reproduira pas. Oui, je vais faire ça. Si Alduin est éternel, l'éternel... Oh putain, il va fermer sa gueule l'autre avec sa chanson sur Alduin. Bon. Ok. On va partir d'ici. Putain de bordel de Dieu. On va commencer par tuer Maro, bien sûr. Il est hors de question qu'il reste en vie. Du Jarl, pas un pas de plus. Je vais te mourir que d'aller en prison. Je recherche un connard. Il doit pas être bien loin, putain ça lag. Salut! Qu'est-ce que vous faites? T'as pas réussi à me tuer, mon grand. Adieu! Dégage, toi! Adios! Bande de losers! C'est bon, personne ne me poursuit. Bon, de toute façon, sous l'eau, ils vont avoir un peu de mal. Faut vraiment qu'ils en aient envie pour me poursuivre, là. Non, ils me suivent pas. Très bien. Ah, voilà le Kataria. Allez, on le rattrape. Et c'est parti. Pour l'assassinat du vrai empereur, cette fois-ci. Bon, c'est bien. Dans cette session, on aura terminé la confrérie noire, du coup. C'est plutôt cool. Cela dit, ça va me décharger un petit peu de... De Skyrim pendant un certain temps. C'est pas plus mal, remarquez, parce que du coup ça me permettra de faire avancer un petit peu plus les autres projets. Après ça me déchargera peut-être pas de Skyrim tant que ça, ça dépend en fait de l'avancée du mode avec voilà Goblin. Environs. Imbécile. Oh merde. Ah, trois imbéciles. Bon, je plains quand même ces pauvres marins qui étaient innocents. Dirons-nous des dégâts collatéraux. On va faire en sorte que personne ne survive à l'intérieur de ce bateau. On va faire ça proprement, quoi.
repéré par cet enfoiré. Personne ici? Non. C'est quoi cette brume verte qu'il y a à l'intérieur de ce bateau? C'est quand même étrange. Tout est enfin terminé. Le lieutenant a dit que la fumée se voyait depuis Blancherive. Ouais, je suis content qu'on puisse enfin se poser. C'est usant de devoir toujours être sur ses gardes. Plus rien à faire à part se détendre et profiter du retour à la maison. Profitez bien, ouais. Profitez bien. Merde. Qu'est-ce que c'est? Apprendra à utiliser des robes en guise d'armure. Hop. À ton tour, forgeron. Ma flèche quand même. C'est des flèches orques et c'est quand même assez cher. Donc faut pas déconner. Qui est là? Ils sont tous morts ici? Pourquoi lui était déjà mort? What the fuck? Et lui aussi? Transporter des cadavres à l'intérieur de votre... C'est... bizarre. Bon, je sais pas s'il y a d'autres ennemis à bord. C'est bon, ici. Bonjour. Qui est là? Capitaine Avidius. Je crois avoir entendu quelque chose. Salut. Oh, c'est bon. Merde, laisse-moi prendre mon épée. Voilà. C'est bon. Merci du con. À poil. Ça t'apprendra le respect. Alors, expert. Ça va être la galère, ça. De le dire quand on est dans un bateau d'ailleurs. Passage. Oh merde! Ah yes! Des bottes d'Ouémer. Ouais, je le prends, allez. Ça va, ça se revend bien toute cette merde. Bon, très bien. Très bien, très bien, très bien. Oh merde, j'y étais peut-être un peu fort là. Bon, ça sert à rien. Allons-y à la bourrin. De toute façon, ils sont faibles. Mais vous allez mourir, oui. Pardon? D'où tu me causes comme ça, toi? Il y en a d'autres qui veulent se battre? Croustibat. Ça, moi, tout ça. Si, je joue, j'adore ça, moi. Il n'y a plus personne ici.
pire, on les réveille tous. Ben voilà. Boum. C'était toi le plus gradé ici. Je vous confirme, c'était... Les quartiers de l'Empereur, allez, on se débarrasse de lui. Une bonne fois pour toutes. Et une fois de plus, voilà la preuve que le commandant Marot est un imbécile. Je lui ai dit qu'on ne pouvait pas arrêter la confrérie noire. Toutes les tentatives ont échoué. Allons, n'ayez crainte. Si vous êtes là, ce n'est pas pour me regarder bouche bée. Vous m'attendiez ? Eh bien sûr, vous et moi avons rendez-vous avec le destin. Mais c'est le lot des empereurs et de leurs assassins. Oui, je dois mourir, et ce sera par votre main. C'est inéluctable. Mais je me demandais si vous écouteriez quelques instants un vieil homme avant d'appliquer la sentence. Je vous écoute. Je vous remercie de votre courtoisie. Vous allez me tuer, et j'accepte cet état de fait. Mais, quel que soit votre passé, je sens en vous une certaine ambition. Alors, je vais vous demander un service. La dernière volonté d'un vieil homme. Bien que beaucoup voudraient me voir mort, une seule personne a enclenché le processus. Cette personne, qui qu'elle soit, doit être punie pour sa traîtrise. Une fois que vous aurez touché votre récompense pour mon assassinat, je veux que vous tuiez la personne qui l'a mandité. Me rendriez-vous ce service ? Je vais réfléchir à votre requête. Merci. Et maintenant, j'imagine qu'il faut passer aux choses sérieuses. Oui. Effectivement. Adieu, vieil empereur. Putain, la flèche lui a traversé la tête. S'il est pas mort avec ça, je me coupe les couilles. À poil l'empereur, parce que ça vaut cher une robe d'empereur, faut pas déconner. L'amulette des rois. La crise d'Oblivion. Frère des ténèbres. La dernière fois qu'on avait vu un empereur se faire assassiner dans un Elder Scrolls, on était parmi ceux qui essayaient de protéger l'empereur. C'était au début d'Oblivion, en fait. Bon. Allez. Allons-nous-en. Pelagius III, qu'on appelle aussi Pelagius le Fou, aussi parfois Pelagius le Fou, a été proclamé empereur, j'ai pas le temps de lire. On s'en fout, on se casse. Allons récupérer cette fucking récompense à Blanche-Rive. Des ennemis à proximité, voyez-vous ça. Bon. Si vous le dites. Alors, cœur de merde. Je pourrais utiliser mes flèches pour ça quand même. Adios, amigos. C'est bon ? Ouais, c'est bon. On peut aller à Blanche-Rive cette fois. Pfiouf.
Bon, en tout cas, j'espère que cet assassinat vous aura plu. J'ai essayé de faire ça dans les règles de l'art. Et... enfin, dans les règles de l'art, presque. À la fin, j'ai quand même un peu bourriné. Stop, là, ce garde-t-on. Stop. Yeah. Et la musique, c'est bon, hein. Le combat est fini. Voilà. Allons à la jument pavoisée. The Bannered Mare. Parce que nous, on aime bien quand ça parle en anglais. Oh yeah. Motherfucker. Entrez. Dites-moi ce que vous voulez. Ou asseyez-vous près du feu et je vous enverrai quelqu'un. Non, je dois juste discuter avec quelqu'un. Haha, vous êtes de retour. Pour vous jouer un mauvais tour, afin de préserver le monde de la dévastation. Pardon. Tidus Médée est mort. Tidus Médée 2 est mort. Le premier, il est mort sûrement depuis longtemps, j'imagine. Je sais, j'en ai été informé il y a juste quelques instants. C'est merveilleux. Il se peut que vous ne le réalisiez pas, mais vous avez servi l'Empire, tout Amriel en fait, d'une façon que vous ne pouvez même pas imaginer. Ah, mais vous vous souciez peu de politique, je me trompe. Vous voulez juste de l'argent, et vous allez en avoir. Votre dû vous attend dans une urne de la salle où nous sommes rencontrés, à Volonros. Maintenant, veuillez partir. Allez chercher votre argent et que nos chemins ne se croisent plus jamais. Grâce au dieu, notre affaire est réglée. Mais si Alduin l'emporte, on a quand même un dernier truc à régler. Votre dû vous attend. Et ne vous en faites pas, je ne suis pas stupide au point de me jouer de vous. Il y a bien encore une chose, Mautière. De quoi s'agit-il ? Une simple faveur pour un homme honorable. Ah, vous autres assassins et vos devinettes, ça me porte vraiment sur les nerfs, vous savez. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser... Nous avions un accord. Et je l'ai honoré. Quelqu'un, je vous déclare, pour le moment. Tout va bien. Oh, calme. Que quelqu'un fasse quelque chose. J'aurais dû le faire en discrétion. Ils ont un radar, ces mecs-là. Ils ont un radar, il va au travers des murs. Bon, on va aller récupérer la récompense et c'est ici que nous allons nous arrêter. J'espère que ça vous aura plu. Bon, du coup, il va falloir se barrer de Blancherive. Je dois payer une prime. Vous ne m'échapperez pas. Ah non, vous voulez carrément me tuer directement, ok. Pourquoi ils se font du mal ? Ah, moi, je fais du mal à personne, c'est eux qui me font du mal. Oh my god ! Putain, ces temps de chargement sont vraiment trop longs. Dépêche-toi. Je ne m'aurai jamais. Aïe, même pas mal. C'est bon. On s'arrache. Go Volunrud. Go récupérer sa récompense. Alors la dernière fois que j'ai fait ça, il y avait eu un bug. Et dans la fameuse urne en question, en fait, au lieu d'y avoir, je crois normalement, c'est 20 000 pièces d'or. Et au lieu de ça, il y avait 14 pièces d'or dedans. J'espère que le bug va pas se reproduire ici. Sinon, bah... j'utiliserai un cheat pour gagner quand même les 20 000 parce qu'il n'y avait pas de raison. Je crois que c'est 20 000. De toute façon, il y a moyen de le savoir en parlant à Nazir après. Donc au pire, j'utiliserai pas le cheat dans cette session, mais je le ferai dans la prochaine au moment où j'irai parler à Nazir. Ouais, c'est bon. C'est 20 000.
Ok. Bon bah c'est ici qu'on s'arrête donc au milieu de cette quête. Enfin il reste plus qu'à aller parler à Nazir et puis c'est fini de toute façon. Et donc la prochaine fois que vous croiserez Bulgruf à l'intérieur d'une guilde, bah ce sera pour continuer la confrérie noire, mais avec le mode sur lequel on travaille avec Bob Lennon. Donc dans lequel il double un personnage que vous avez déjà partiellement croisé par erreur. Moi aussi je doublerai quelques personnages dedans, alors j'en doublerai deux normalement, voire trois, peut-être trois. De toute façon, c'est trois personnages très différents et je pourrais facilement faire trois voix différentes. Normalement, Sianna doit doubler aussi un personnage, enfin plusieurs personnages féminins. Je dis bien normalement. À reconfirmer, ça dépendra de. Mais je pense que c'est toujours bon, hein, de toute façon. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt pour la prochaine session.